Donc le son il s'appelle Greatness, allez l'écouter. Donc à un moment dans le son il dit: So don't ask about the group, he gone, we gone, young nigga, he can't come back. Donc ça veut dire: ne me parle plus du groupe, il est fini, on est parti, enfin il est parti. En gros, il est parti, il fait référence à Take, Take Off. We gone, c'est fini pour nous. Il n'y aura plus de comeback. Damn! 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 C'est la fin des Migos, les frères! C'est la putain de fin des Migos. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque quand Offset s'y s'était barré des Migos, j'avais dit que c'était la fin des Migos. Là, malheureusement, on a eu le décès de Take Off. Donc, rest in peace, Take Off. Et on sait que les deux ne s'entendent pas bien, Quavo, Offset. Moi, je vais pas trop parler sur leurs embrouilles, puisque en vrai de vrai, c'est leur famille, on ne sait pas. Mais moi, je vais parler d'une chose. Je vais dire que c'est des légendes. Il n'y a pas de débat, c'est des légendes, les gars. C'est des fucking légendes. Donc, parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on parle, oh non, mais ceci, cela, un tel. Non, eux, c'est pas des légendes. Eux, c'est pas des légendes. On va le dire, on va appeler un chat un chat. Migos égale légende. J'ai fait des débats avec des mecs qui m'ont dit: Non, les Migos, c'est pas des légendes. Regarde, il y a Wu-Tang. Regarde, il y a NWA. On respecte les anciens. Et ça, je l'ai toujours dit, on respecte. Toujours, on respecte les OG. On fucking respecte les OG. Mais les Migos, c'est des légendes. C'est le groupe qui a dominé le rap ces 10 dernières années. 10 années de run, groupe numéro 1. Et tu veux pas leur donner la couronne de légende? Mais vous êtes malades ou quoi, les gars? C'est des fucking légendes. Ouais, mais le triplet flow, ça vient de Juicy J. Ta gueule! Ouais, mais non, respect 3-6 Mafia. On respecte 3-6 Mafia, on respecte tout. Mais les Migos, c'est des légendes. Ce qu'ils ont apporté dans le game, ils ont apporté un argot, ils ont apporté un flow. Même si c'est inspiré de 3-6 Mafia, le triplet flow, ils ont apporté leur flow à eux que tout le monde a repris. Tout le monde, le on va même pas faire la liste des rappeurs dans le monde qui l'ont repris. Ils ont apporté même Versace, les gens ils s'habillaient pas en Versace avant les Migos. Le style, le drip, le truc, ils ont trop apporté à la culture. C'est l'un des groupes les plus big de ces 10 dernières, le groupe le plus big de ces 10 dernières années. Donc il faut dire la vérité, c'est des légendes, il faut arrêter ces débats de merde, légendes ou pas. Et d'ailleurs, gros message, vous pouvez screener. Moi j'ai un message aux puristes. J'ai un message aux puristes. Et un message à un style de puriste particulier. Les puristes qui sont nés après 90, génération 88, 89, 90 et après. Les puristes là, qui ramènent tout à Biggie, Tupac, l'époque, etc. Ces puristes là, c'est à vous que je m'adresse. Les frères, moi-même, j'ai 34 piges. Les frérots. Quand Biggie et Tupac, ils étaient en activité, j'avais 5-6 piges. Là, vous voulez me faire croire que vous, quand vous aviez 5-6 piges, vous écoutez du Biggie et Tupac. Bande de menteurs! Quand on avait 5-6 piges, nous, on écoutait Jordi Baby. Dur, dur d'être bébé. Dur d'être bébé. On écoutait Pierre Lauzère. Les genoux à papy. Crac comme des linottes, on n'écoutait jamais. On écoutait Schtroumpf Party, vous connaissez Schtroumpf Party? Je vais vous faire écouter Schtroumpf Party. Parce que les mecs là qui font crari là, c'est des OG, le rap c'est plus ce que c'était. Eh, nous, c'est quand on avait 11 ans, 10 ans là, la génération 89-90, vous saviez c'était qui? C'était, allez, c'est là où il y avait Luda, 50 et tout. Mais on était trop petits pour comprendre même ça, on commençait. Mais là, regardez, moi je vais vous dire, ce qu'on écoutait nous, la génération là, qui font les anciens aujourd'hui. 89, 90, 91 là. Tous ceux qui font les anciens là, les 88, 89, qui font blair. Oh le rap c'est plus ce que c'était. Oh le rap. Eh hey, les gars, vous étiez trop jeunes. Blairny là maintenant, il y a des gens ils écoutaient. Je vous, ils écoutaient, ils font crari, ils écoutaient Tupac. Vous êtes des oufs, ils écoutaient jamais Tupac. Ils connaissaient la page Tupac. Tupac qui. Eh, moi j'ai découvert le rap tard. Hein. J'ai découvert en 97 avec l'album Tentation de Passy, Coolio, tout ça. Eux ils font crari, ils écoutaient du rap quand ils étaient petits peu. C'est des vrais baisers. Ils aiment trop faire les anciens. C'est pas des anciens. Ils font là, ils te sortent les dates. Les gars, ils ont appris le rap sur Wikipédia comme moi. Eh, le rap là de Tupac, tout ça, on l'a appris sur Internet. On connaissait rien, on n'a rien vécu. Donc arrêtez de faire les anciens. Vous n'êtes pas les anciens. Ok, qu'un mec comme Driver, comme Sindanou, il vienne, il parle. Oui, mais vous n'êtes pas des anciens, les frères. Arrêtez de faire les anciens. Vous n'êtes pas des anciens, cousin.
on a tous découvert le rap tard, en fait, parce qu'on était à 5-6 ans, Blerny, ils étaient déjà en train de faire des coupoles, ils dansaient et tout. Non, arrêtez. Surtout qu'on est, la plupart, on est issus d'une minorité. Moi, mes darons, ils écoutaient du zouk, du compas. Je connaissais plus Shabba Ranks que du rap, poteau. Alors j'imagine, quelqu'un qui vient du Mali ou quelqu'un qui vient d'Algérie, etc., on écoutait ce que nos darons, ils écoutaient. Mais là, vous... Vous faites crari, oh non, moi, Tupac, Biggie à l'époque, NWA, arrêtez, bande de mythos. Écoutez ce qu'on écoutait avant, écoutez ce qu'on écoutait. C'est ça qu'on écoutait nous avant, quand on était petits. Ça c'est le son de notre enfance. Ouais. Nous c'est ça, on écoutait de la dance quand on était petits. Et on dansait comme as. C'est comme ça qu'on dansait. Après on allait au sol. Ouais. Ils sont là, ils font Blerny, ils écoutaient. Ils font Clarif, ils écoutaient Tupac. Ils écoutaient pas Tupac. Arrêtez. On avait où les CD de Tupac, les gars? Arrêtez de faire Clary là. Y'avait rien à la télé, arrêtez de faire Clary, on écoutait Tupac. Bande de menteurs. Personne n'écoutait Tupac. Ils font genre là, ma génération là, ils font genre ils écoutaient Tupac, Biggie et tout. Arrêtez. Ils font genre, ouais non, cet album il est incroyable. Poto, même quand Booba il a sorti, la génération 89, on avait même 9-10 ans. Ils font tous crari. Ouah, quand j'étais petit, lunatique. Arrête! T'étais trop petit. Arrêtez de faire les anciens. Vous avez appris Internet, vous avez appris le rap sur Internet. C'est pas grave, faut le dire. C'est comment les pluguitos, vous le savez, Balou fait des lives tous les mercredis à 19h sur sa deuxième chaîne, Balou Experience Live. Donc abonnez-vous à la chaîne là-bas. Peace!